Good morning, Aleiden. Tu seras aujourd'hui le Nishma Tamrayona ben Chana Nissim ben Ahuda, Sarah bat Chana Rachel, ainsi que l'Urfoua Taria Kiva ben Shachar, Betor Shar Chol Israël. Si vous souhaitez vous aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions aujourd'hui deux Mishnayot, Masechet Avot avec Aleph, Mishnah Gimel et Mishnah Dalet. On commence Mishnah Gimel. Antignos Ishsocho, Kibel Mishimon Asadik, Huaya Omer. אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הבו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס, ויהי מורה שמיים עליכם. אנטיגנוס איש סוחו, אנטיגנוס כתה, סתי סומכנו, אנטיגנוס, דו להביל דו סוחו, קיבל משימון הצדיק, הרוסו לתורה דו שימון הצדיק. נור פרקי אבות, ובבואר סונזרי, נור לבחרים פרק, מבוא פלוס, השקפואה, כל רב, a reçu de qui la transmission, comme elle a été faite depuis Shimon HaTzadik, qui était le premier des Tanaïm, puisque c'était le dernier Mishiare Knesset Agdola, le dernier homme de la Grande Assemblée. Et puis, doucement, on avance dans la génération des Tanaïm. Et donc, on a Antignos Ishsocho, et celui qui a reçu la Torah de Shimon HaTzadik, le dernier des Mishiare Knesset Agdola. Hu Aya Omer, il avait l'habitude de dire... אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. Ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître dans l'intention de recevoir une prime, un salaire, une prime, un bonus plutôt. Mais plutôt, Ela, et vous כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. Soyez plutôt comme des serviteurs qui servent leur maître sans aucune intention, sans loucher, sur le fait qu'ils vont recevoir ensuite un bonus, une prime. Vihi mora shamayim alechem, et que la crainte du ciel soit sur vous. Et on explique un petit peu de quoi on parle. Le Barthénois explique. Tout d'abord, on a bien précisé que pras, un mérite, c'est pas un bonus, c'est une prime, c'est pas un salaire, mais c'est plutôt un bonus qu'on donne alors que ça ne revient pas de droit. Soit, j'ai un employé qui travaille bien pour moi. À l'heure, il touche 50 shekels. Il a travaillé une journée, je vais lui payer 500 shekels. Comme je suis satisfait de son travail, alors je vais lui donner encore un petit billet supplémentaire, un petit 200 shekels. Ça, c'est ce qu'on appelle le pras, le petit supplément, un petit bonus, qui n'est pas du tout conditionné. Et bien, il vient nous apprendre, Antignos Ishsocho, habituez-vous à servir Hachem, à faire les mitzvot, sans aucune intention, ni même de recevoir un salaire, qui vous revient de droit, mais même... Ça, c'est le niveau le plus bas, quelque part. C'est que tu sers Hachem en espérant que tu vas recevoir un salaire. Comme si qu'il te doit quelque chose parce que tu le fais ça à Voda, concrètement. Et même si tu le fais de la sorte, et même si tu renonces au salaire, pas que tu renonces au salaire, mais même si tu ne le fais pas dans l'intention de recevoir un salaire, mais ne le fais même pas dans l'intention de recevoir quand même une petite faveur au final, rien du tout. Fais-le uniquement pour l'honneur et pour l'amour d'Hachem. On va expliquer l'importance, pourquoi là il met en valeur, en exergue l'amour pour Hachem. Donc, servir Hachem comme des serviteurs qui aiment tellement leur maître, qui veulent tellement sa gloire, qui vont se mettre à le servir naturellement avec plein d'amour et faire attention à ce que le maître soit bien soigné, soit bien respecté, soit paraisse bien. D'accord? Donc, elle a évoqué, avait dit, même Shamshin Natarab, soyez comme des serviteurs qui servent leur maître. Shelol Menat, les Kabel Bras, sans aucune intention de recevoir une prime. Vihi Mora Shamaim Alechem, et que la crainte du ciel soit sur vous. Soit, il faut aussi craindre Hachem. Le Barthénois explique là qu'en fait, Antignos Ishsocho nous apprend une règle super. Nous donne des axiomes excellents de Avodat Hachem. Comment travailler? Il faut travailler sur deux pôles en même temps. L'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. Il nous rapporte, le Barthénois, il rapporte. Avod me'ahava, avod me'ira. Serre Hachem avec amour, serre Hachem avec crainte. Pourquoi? Ces deux notions sont très nécessaires. Tout d'abord, si on avait la possibilité de servir Hachem que par amour, sans être contraint de le craindre, ça impliquerait que j'aime bien Hachem, je le sers, mais qu'est-ce qui se passe le jour où... Aujourd'hui, je suis un peu fatigué, j'aime aussi d'autres choses. Je ne suis pas contraint à d'aimer. Imaginez que la Torah m'a imposé possible de craindre Hachem, mais juste d'aimer Hachem. Alors, le rapport que j'aurais entretenu avec Hachem, c'est sûr, c'est très beau, je le sers avec feu, avec envie de le faire plaisir, mais de temps en temps, si j'ai envie de faire plaisir à quelqu'un d'autre, sans le blesser, sans l'offusquer, qui m'y a d'accord. Mais ça, donc ça impliquait
un certain problème dans cette manière de servir Hachem. Donc Hachem aussi, la Torah nous a aussi imposé Veyaveta Melokecha, de craindre aussi Hachem. D'accord ? Donc il faut aussi servir Hachem avec crainte. Mais si on servait Hachem qu'avec crainte, alors dans ce cas-là, il manquerait toute la beauté, tout le feu avec lequel on peut servir, tout l'entrain dans ce que l'on fait. On fait les choses par devoir, mais sans aucun feu, aucun zèle. Alors la Torah, alors Antignos Ishtokho, il est venu nous apprendre justement ça. Travaille sur les deux pôles en même temps. D'un côté, tu sers avec feu, sans rien espérer de retour, uniquement la fierté, le rapport avec Hachem, faire plaisir que le nom d'Hachem soit connu sur terre, il soit respecté sur terre. Ça, tu le fais. Mais d'un autre côté aussi, souviens-toi que tu n'as pas le choix de faire autre chose. Que tu as aussi la crainte d'Hachem, de manière à ce que tu vas concentrer toutes tes méninges sur la voie d'Hachem et ne pas partir, te laisser distraire de temps en temps à d'autres choses. D'accord ? C'est les deux pôles qui ont été mis en exergue. Et Mishnah Dalet maintenant, Yosef ben Yoezer, Ish Tzereda, Yosef ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Kiblu Mehem, Omimenu, il y a un problème comment lire cette Mishnah, on va expliquer ensuite. Yosef ben Yoezer, Ish Tzereda, Omer, יהי ביתך בית ועד לחכמים, והווה מתאבק באפר רגליהם, והווה שותה בצמא את דבריהם. On continue après la génération de Antignos Ishtokho, alors on passe une nouvelle génération, et cette fois-ci, à partir de cette Mishnah, on va découvrir tous les, ce qu'on appelle les Zougot, les pères de Rabbanim. À chaque fois, il y avait deux Rabbanim, deux grands maîtres de la génération qui avaient deux grands disciples. Ils ont deux grands disciples qui ont succédé. À partir de maintenant, il y avait ce qu'on appelait le premier qui était le Nassi, le président, le dirigeant spirituel, et l'autre c'était le Av Beit Din, c'était lui qui dirigeait, et il avait le tafkid de diriger le Sanhedrin et de prendre les décisions plus halachiques. Et ensuite, le peuple était toujours dirigé avec ces deux-là. C'est-à-dire, d'un côté, le dirigeant spirituel, mais d'un autre côté, il n'agissait pas tout seul, il se concertait avec le Sanhedrin et entre autres le Av Beit Din qui était là pour le seconder. Maintenant, bon, il y a un petit problème, c'est qu'il y a marqué dans la Mishnah que Yosef ben Yoezer, ils s'appellent tous les deux Yosef, hein, c'était Yosef ben Yoezer de Tzereda, de la ville de Tzereda, et Yosef ben Yochanan de Yerushalayim. Ils s'appellent tous les deux Yosef, et ils ont reçu, il y a marqué dans la Mishnah, Kiblu Mehem, ils ont reçu deux. Il y a un petit problème, c'est que la génération précédente, apparemment, c'est la Mishnah Gimel, il n'y avait que Antignos Ishtokho. Donc il fallait dire Kiblu Mimenu, il a reçu de lui. Ça veut dire quoi, Kiblou Mehem, ils ont reçu deux? En réalité, une des explications qui est proposée, c'est qu'en fait, ils ont reçu à la fois de Shimon HaTzadik, mais ils étaient encore jeunes lorsque Shimon HaTzadik est décédé, et donc ils ont continué ensuite à prendre Antignos Ishtokho en tant que maître pour recevoir la Torah donc de lui, et donc du coup, Kiblou Mehem, du, quelque part, le grand-père spirituel de Shimon HaTzadik, ainsi que de Antignos Ishtokho. Concrètement, Yosef ben Yoezer Ishtereda Omer, Yosef ben Yoezer de Tzereda avait l'habitude de dire, il avait pris trois axiomes essentiels, comme on a expliqué dans l'introduction hier, que chacun, en fait, voyait selon la difficulté de sa génération, le nouveau challenge, la tendance. Alors, il prescrivait à ses disciples de se renforcer sur ces points-là, particulièrement que, afin de mieux perpétuer la Torah dans toute sa splendeur. Et donc, trois points, il leur a dit. « Yehi betra betva'ad l'achachamim » Que ta maison soit un lieu de rassemblement pour les sages. C'est-à-dire, habitue-toi à tout donner pour les Talmidei Chachamim. Si tu as l'occasion, par exemple, des Talmidei Chachamim qui cherchent à faire un cours, qui cherchent à étudier la Torah, à se concerter pour décider de quelque chose, et qui ne savent pas où aller, eh ben, habitue-toi toujours à les faire entrer chez toi. D'abord, c'est-à-dire, pour toi-même, tu vas t'inculquer, tu vas inculquer dans ton cœur, au cœur de tes enfants, dans ta famille, tu vas te montrer l'importance de la Torah, qu'elle est tellement importante à tes yeux que sans arrêt, tu les fais entrer chez toi, tu écoutes de quoi ils parlent, comme ça tu t'imprègnes de leurs paroles. Soit, concrètement, que ta nature soit de toujours vouloir approcher les Chachamim, écouter de quoi ils parlent, afin de t'imprégner de leurs paroles. Ainsi que, Vehevé mit abek ba'afar agleem. Mit abek, le mot les tabek, ça veut dire, ça vient du mot avak, la poussière. Soit colle-toi à la poussière de leurs pieds. Soit sans arrêt, apprends à te coller à la poussière de leurs pieds. C'est interprété de deux manières dans le bord droit. Soit dans le sens que lorsque l'on marche sur une terre, sur de la terre un peu battue du sable, alors on lève de la pierre avec les pieds. Et alors la Mishnah vient te dire, sache que
suis-les dans leur déplacement. Si tu as l'occasion de les accompagner dans la rue, les accompagner quelque part, suis-les, prends-les avec toi et accompagne-les de manière à ce que tu vas pouvoir les côtoyer au maximum et t'imprégner de leurs paroles. Ou deuxième interprétation, c'est qu'à l'époque, le Rav s'asseyait sur une chaise et tous les disciples par terre. Eh bien, il vient nous apprendre quelque chose en nous disant « Fais-toi toujours petit et prêt à recevoir de leurs paroles. » Et donc, dans ce sens-là, ça rejoint ensuite la dernière phrase qui nous dit, le troisième axiome, « Veve shote batsama et divrehem » et « Bois avec soif leurs paroles. » C'est-à-dire, c'est quelque chose de phénoménal, particulièrement pour la boisson. Encore manger, il arrive qu'on soit rassasié, mais qu'on nous propose quelque chose de doux à manger et qu'on le mange quand même. Il y a quelque chose de particulier avec l'eau, c'est que l'eau, si on n'a pas soif, elle ne nous tente pas du tout. On n'a pas du tout envie de boire. Et quand on a soif, il n'y a rien de plus agréable. On n'est pas capable même de mettre quoi que ce soit dans la bouche pour manger même quelque chose de doux, d'agréable, si toutefois on a très soif. Alors, justement, il nous dit tellement que c'est important, c'est-à-dire l'eau, elle a cette particularité de soit elle abreuve avec un plaisir de folie chez celui qui a soif, qui est assoiffé, tandis que celui qui n'a pas soif, ça ne lui dit rien du tout. Et bien, il nous dit, sache que toute Torah que tu étudies, toute parole des Chachamim que tu vas écouter, alors, ne viens pas écouter voir. Peut-être qu'ils vont dire quelque chose qui vont un petit peu percuter ton cœur, ton oreille. Et... Non. Va les voir comme si c'est la meilleure des choses qu'ils vont pouvoir te transmettre. Travaille-toi pour que tu vas t'abreuver de leurs paroles. Ça va être là ton approche avec toute étude que tu vas faire, de manière à ce que tu vas pouvoir mieux capter et discerner la profondeur et l'ampleur et apprécier leurs paroles et ainsi influencer ton cœur et ta manière de réfléchir dans la vie afin que tu te colles mieux à la Torah, tu t'habitues plus à la Torah et au Chachamim. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.